Depuis plus de trois décennies, les États-Unis construisent des barrières le long de leurs frontières avec le Mexique. Les nouvelles propositions de murs frontaliers commencent à arriver. Cette proposition-ci utiliserait un maillage ajouré, appelé mur de câble, dont l'entreprise qui le propose dit qu'il serait quasiment impossible à couper ou à escalader. Certaines propositions utiliseraient des drones pour surveiller la frontière une autre utiliserait le mur pour stocker des déchets nucléaires. Afin de décourager ceux qui seraient tentés de passer par-dessus. Associated Press a rapporté la semaine dernière qu'au moins deux entreprises de construction demandent le droit d'utiliser des armes à feu au cas où les manifestations prendraient un tour hostile. Le sociologue mexicain Yos Moreno, basé à Mexicali, dit que de telles demandes sont absurdes. Et je crois que je pense que c'est aberrant et je pense aussi que ces peurs sont infondées, par dessus tout il serait inacceptable pour les ouvriers ou les contremaîtres de porter des armes à feu. Des responsables mexicains ont récemment construit un mur frontalier à échelle réduite à l'intérieur de leur propre territoire. Le parc de l'amitié, comme il est appelé, est sein de cette barrière construite au Mexique. Des organisations locales chinoises ont construit ce kiosque, CGTN a demandé à ce défenseur des droits des migrants ce qu'il pense de permettre aux compagnies de construction américaines d'utiliser des armes à feu contre des manifestants. Nous allons manifester et nous tournerons vers les cours internationales si nécessaire. C'est notre droit de le faire. À la périphérie de Mexicali, dans des zones entourées par le désert sauvage, nous avons trouvé cette barrière frontalière. Ici, dans cette portion de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, cette frontière métallique est la seule chose qui sépare les deux nations. Et se rendre de l'autre côté est aussi simple que de faire ceci. Ce n'est qu'un exemple de la tâche immense que représente pour les États-Unis l'objectif de sceller entièrement leurs plus de 3000 kilomètres de frontières communes avec le Mexique.